Hey, salut à tous les Anki, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur DCS World à bord de notre JD17 pour un nouveau tutoriel dédié sur cet appareil. Et bien que j'avais initialement décidé de poursuivre ma lancée sur le data link qui a fait le radar, suite à l'update d'hier, j'ai donc décidé de vous présenter un tutoriel sur le ravitaillement aérien qui a donc enfin été ajouté à notre appareil et qui lui donne bien sûr un tout autre potentiel en mission, puisque on est tout à fait capable désormais de faire des missions de grosse envergure avec de longues distances à parcourir, hein, plusieurs centaines de nautiques sans aucun souci avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc la perche qui est ici, qui est ce qu'elle est, on va dire, pour rester poli, mais qui est bel et bien là et qui va donc nous permettre de faire le plein en vol de notre appareil sur notre ravitailleur qui est là-bas. Avant de se pencher là-dessus, on va rapidement faire un petit tour du cockpit et des petites choses qui ont bougé qui vont nous permettre de ravitailler. La première étant ce switch qui nous permet donc de passer sur on notre enfin de mettre en mettre en route notre mode de ravitaillement, donc une partie réservée au ravitaillement interne. Donc on suppose qu'en passant sur INT on ne ravitaillerait pas les bitons mais seulement la carburant interne à l'appareil, et sur all on ravitaillerait et les bidons et l'interne. Juste ici également on a quelques petites modifications sur le panneau des lights, et notamment ici une fonction on ou off pour un phare de ravitaillement si jamais vous deviez faire un ravitaillement de nuit ou en tout cas dans des conditions de luminosité qui seraient difficiles et qui vous obligeraient donc à utiliser ce feu avec un petit vario si jamais vous voulez régler l'intensité. Et bah écoutez, on va tranquillement se diriger vers notre tanker qui est là-bas. Et on va pouvoir avoir du coup ce ravitaillement qui est dans la pratique plus dur que ce que j'avais pensé. On a une perche qui est plus sur le côté que devant, comme on peut l'avoir sur un Hornet ou même sur un 2000. Donc j'ai trouvé ça assez difficile au départ. Ça ressemble, d'après ce que j'ai compris, plus à ce qu'on peut avoir sur un AV8. Hein, donc ceux qui ont l'AV8 ne devraient pas être trop dépaysés, si ce n'est le changement de côté, puisque je crois qu'elle est à gauche. Au-delà de ça, bah, ça va être toujours un petit jeu de précision avec un appareil qui a une inertie énorme dans le moteur, mais à contrario des commandes de vol qui sont très réactives, donc ça va être un petit jeu à ce niveau-là. Mais voilà. Maintenant la perche, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle soit pas rétractable et c'est dommage, elle est énorme. C'est un vrai frein à la visibilité sur notre côté droit. Mais bon, on va faire avec. C'est un des nombreux désavantages, on va dire, d'un appareil low cost. Il faut faire des concessions, c'est comme ça, et pas autrement. Eh bien écoutez, on se retrouve en approche de notre tanker pour voir un petit peu comment ça se passe. A tout de suite. Allez, on est en rapprochement, on va le contacter tout doucement. Il est sur une fréquence 264, qui évidemment je n'ai pas paramétré. 264, 264, 264, ce qui nous donne un channel 140. Donc comme 1, hop, 140. Et on va le contacter. Texaco. Hop là. De sa vitesse au passage, ce qui sera pas complètement inutile. 302. Qu'on va se rapprocher. En douceur, hein, tranquille, comme sur chaque appareil, de la douceur et de la délicatesse pour le refueling. Oh, il est un petit peu plus 300. On sera pas mal.
Une fois qu'on est dans cette position, comme d'habitude, on va tout doucement se glisser sous l'aile gauche, puisqu'il nous sortira en priorité le panier à gauche. Pouvez mettre des courbes hein, si jamais vous trouvez que les commandes de vol sont un petit peu trop sensibles sur le GX7. Je ne l'ai pas fait parce que sur les appareils à commandes de vol électriques, j'estime que c'est plus de la pratique qu'un jeu de courbes qui fait foi hein, sur le pilotage. Mais voilà, c'est aussi parce que j'ai un Warthog et c'est un produit qualitatif qui permet de faire des mouvements vraiment très smooth, quelle que soit, on va dire, la manœuvrabilité du jet. Mais voilà, si vous avez un joystick un peu light, n'hésitez pas à mettre des courbes sur le GL17, ça peut servir. On est en position et on va lui demander le vrai contact, tout simplement. Et on va passer notre switch sur on. Donc il nous clear le contact, on va reculer tranquille, laisser le panier venir. Ok, le panier est arrêté. Et là, on va essayer de garder la nacelle d'où part le panier vraiment au centre de notre HUD. On va pas trop regarder notre panier pour l'instant. C'est vraiment pas évident. Quelle inertie dans le moteur, c'est infernal. On se rapproche, c'est pas mal, en douceur. On va regarder le panier juste sur le finish et on y est. On court ralenti. On va remonter un petit peu. Et on sera pas mal. Et je l'ai perdu. Voilà. Donc je dirais que c'est même pas tout à fait ça. Si je devais vous donner un point de repère, je dirais que la nacelle qui d'où part le panier, on va vraiment la placer au-dessus de nos indications de degré de tangage, mais sur la partie droite, hein. Donc là j'ai mon indication plus 5 degrés. Pour faire une belle approche, on va dire qu'on va essayer de placer cette nacelle au-dessus du 5, mais côté droit, pour être globalement aligné avec notre panier que je repère et qu'on va reprendre. Va se rapprocher, ça aura un petit peu plus de marge. Et on va regarder un peu plus notre avion pour savoir si je recule ou si j'avance par rapport à lui. Transfert complete, donc c'est assez rapide. J'ai mis 50% de mon fuel, mais c'est un événement qui va très vite. Donc là encore, on va décélérer un petit peu. Passer sous notre appareil en douceur. Et aller se placer en position d'attente côté droit, comme le veut la procédure standard de ravitaillement. On va se refaire une petite approche, juste pour bien évaluer, essayer de trouver un point de repère correct pour ce ravitaillement qui est pas évident sur l'approche du panier. On va le recontacter. Se remettre sur la gauche en position d'attente. Impeccable. On décélère un chouïa, on se place sous l'aile gauche. Je me rapproche un petit peu avant de le faire. Je pense qu'il va me refouler. Si je lui demande maintenant, on va le tenter. Je pense qu'on sera un peu loin. Ah non, il nous le donne. Impeccable.
Donc même exercice. On va essayer de s'approcher. En douceur, et de garder notre nacelle au-dessus de la partie droite de nos indications en degrés. Très léger sur les gaz, hein. Quand vous mettez un petit filet de gaz mais que pour l'instant ça ne réagit pas, c'est normal, l'inertie du moteur est énorme, il faut lui laisser une paire de secondes pour qu'il avance. On va essayer de contact sans regarder le... sans corriger avec le panier. Un peu loin. Et contact. Et déjà transfert complet, ouais. Bon, ce qui est normal. On a consommé que dalle après le premier ravitaillement. Mais voilà, ouais. Je dirais que le point de repère se situe sur cette ligne-là, hein, entre l'indication de degré de notre tangage et la nacelle pour arriver pas trop mal derrière pour notre panier. Bon. Moi, j'ai un petit réflexe de regarder ma perche sur le dernier mètre pour corriger un chouïa et être sûr qu'on soit bien. Je pense que ça peut se faire simplement à la prise de repère. Très honnêtement, je l'ai pas assez pratiqué pour ça, mais voilà, après chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là. L'important, c'est que vous puissiez ravitailler dans de bonnes conditions pour poursuivre votre opération, quelle qu'elle soit. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. En tout cas, un bien bel ajout sur le GF17, qui encore une fois lui donne une nouvelle dimension et un vrai potentiel, on va dire, sur de nouvelles opérations. Le seul moins de cette perche, on va dire, c'est qu'elle soit énorme. Mais bon, on fera avec, c'est pas grave. Je pense qu'on s'y habitue tranquillement avec le temps. Bah écoutez, en tout cas, c'était un petit tutoriel sur l'avitaillement GF17. C'était assez court, assez simple, encore une fois, enfin assez simple, avec un peu de pratique et beaucoup de douceur, encore une fois, quant au côté paradoxal entre une inertie du moteur qui est énorme et des commandes de vol qui sont très réactives. Voilà, faut y aller mollo, de très légers à-coups sur la manette des gaz et des très fine correction sur le manche, sinon ça va partir en yo-yo à coup sûr. Eh bien écoutez, c'était Sankiel. J'espère que vous vous portez tous bien en cette période de confinement, que vos familles sont en bonne santé et que vous faites surtout très attention à vous. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Je pense en JF17 du coup, puisque on ne devrait pas avoir de nouveautés tout de suite sur le Hornet. Donc cette fois-ci bien sûr l'IFF ou sur le radar, je sais pas encore, je verrai. Et voilà. Eh bien écoutez, à plus. Bisous. Bye bye.